loupé mon vol hier. On se dirige vers l'aéroport 15 000 ans à l'avance. Comme ça, je suis sûre d'avoir mon vol. C'est parti! Je viens d'arriver dans l'avion, je vous donne mes premières impressions. Franchement, ça va pour le prier et tout. Ça va, maintenant on n'est pas encore parti. L'avion il s'est pas crashé. Franchement, c'est comme une autre compagnie, je trouve. Air Caraïbes et tout. Certes, il y a peut-être un petit confort supplémentaire, mais vraiment pour le prix que j'ai payé, je trouve que ça va. Donc voilà, je vous donnerai ma petite conclusion quand le vol il sera parti. On est censé partir à 16h10, on est censé arriver à 19h10, heure locale, c'est-à-dire qu'il sera 1h du matin en France. Vous avez vu sur Instagram que je vous avais demandé si ça vous intéressait un vlog, car j'avais choisi de tester la compagnie aérienne Level. Donc c'est une nouvelle compagnie aérienne qui vient d'arriver en France, donc à Orly, qui propose des voyages à vraiment très 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 bas prix pour différentes destinations. La Guadeloupe, la Martinique, vous avez aussi le Canada et vous avez aussi New York à des prix imbattables. Donc moi au début j'y croyais pas trop, 200 euros pour aller en Guadeloupe aller-retour, je me suis dit je vais finir dans la soupe en fait. Et au final, pas du tout. Franchement, j'ai été agréablement surprise de la qualité du service. En fonction en fait du prix, je trouve que c'est vraiment raisonnable. C'est vraiment abordable. Donc j'ai payé 284 euros parce que j'ai pris une valise en plus, parce que la valise en soute est un supplément. Après, j'ai eu des soucis juste au niveau de l'enregistrement, car j'ai loupé mon vol, comme je vous l'ai dit, parce que je suis arrivée 1h30 à l'avance. Pour moi, c'était suffisant. Et en fait, normalement, c'était 4h à l'avance. Donc je sais que ça peut paraître énorme. Pour moi, je trouve vraiment c'est énorme, 4h à l'avance à l'aéroport. Mais bon, vu que c'est déjà pas cher, mieux vaut venir à l'avance, au moins vous êtes sûr d'avoir votre vol. Et voilà, le seul point négatif, c'est qu'ils ont changé mon vol retour. J'étais censée revenir le 19 septembre. Au final, ils m'ont changé. J'ai reçu un mail comme ça, du jour au lendemain, où ils ont décalé mon vol au 21. Donc je pense qu'il n'y avait pas assez de monde sur cette date. Donc voilà. Et du coup, on a été en mer ce matin. On a pêché des langoustes qu'on a mangées juste après. Donc je vous laisse regarder les images. Papa nous fait pas exploser le bateau. Non, non. Ah, bah, là, quand je vous dis, c'est Robinson Crusoe. Comment fabriquer du feu quand t'as pas de feu? Aïe, aïe, aïe! Attention à vous! Aujourd'hui, dans Complément d'enquête, nous retrouvons Pierrot. Il vit dans la forêt. Le maître du feu. Maître du feu. Tiens, des petits brins. Aïe aïe aïe! Comment allumer son barbecue en 2 secondes? Il n'y a pas de risque d'explosion, on l'a fait avec de l'essence. Tu veux pas qu'on fasse Pékin Express ensemble? Hein, t'es sûr de gagner?
quand vous avez pas assez de feu, vous en remettez. Ah ouais, parce que en fait, dans ta petite dans bouteille... Dans le sable, il y a du sable et de l'essence qui évite de l'exploser. Ok. Donc le sable, ça empêche l'essence d'exploser. Voilà. Des petites brindilles, petites brindilles. C'est ça le problème, c'est qu'à Koh-Lanta, il y a toujours des mauvais. Et ils vont être éliminés. C'est la sentence, c'est irrévocable. Et on met des brindilles, là, si vous voulez pas être nominé. Je vais chercher des brindilles. Je ne veux pas être éliminé de Koh-Lanta. Tiens, il y a des brindilles par ici. Ah putain, ça c'est la vraie vie. Loin des métros parisiens. Loin de la... du stress parisien. Il y en a plein, ils veulent pas être éliminés. Hein. Ils sont allés, ils sont allés au fin fond des bois là pour chercher des brindilles. Ah ouais, on a allumé le barbecue en deux spies. Je te jure. Hey, t'as lui dans ton équipe, vous êtes sûr d'aller en finale. On finit par les oiseaux. Allez dire bonsoir aux oiseaux. Qui est une île où il n'y a que des oiseaux. Ils viennent se poser dans le bendo tous les soirs. Pélicans et les pélicans. Les blancs, c'est des aigrettes. Par contre, là-bas, on voit une frégate au loin. D'habitude, il y en a. Ah bah, tu nous expliques sur quoi ils sont posés ? Les frégates sont là-bas. Là, ils sont dans la mangrove. Ouais, c'est quoi la mangrove ? Des arbres qui poussent en haut. Tout simplement. Des palétuviers rouges qui poussent en haut. Waouh ! Et tu sais pourquoi Macron a été élu ? Ils ont tous voté pour lui, ceux-là. Ça lui a fait des voix. Hein. Alors, après cette longue journée, on est parti à la Marina du Gosier prendre un petit verre avec mon père. Vraiment, je vous conseille ce petit resto, je le connaissais pas du tout. Nous, on est juste resté pour prendre un verre, mais il a vraiment l'air super sympa. Même pour manger, ça m'a l'air super bon. Et ça s'appelle le Coco Café, si vous allez en Guadeloupe. Il est au bord de la Marina et c'est super joli, il y a les bateaux à côté. Donc moi, j'ai pris une petite piña colada et mon père, il a pris un Cuba Libre vénézuélien. Et toi, c'est quoi ? Cuba Libre ? Cuba Libre ! Venezuela. Alors, après le Coco Café, on est parti au Tam Tam. Donc le Tam Tam, c'est un restaurant qui fait en même temps dîner dansant. Donc il n'y a que des musiques antillaises, voilà, il y a des petits showcases avec des petits chanteurs. Tout le monde danse, c'est vraiment très très convivial. J'ai vraiment aimé ce restaurant. Alors moi, pour le plat, j'ai choisi du chatrou. Donc le chatrou, c'est une pieuvre en fait. Et c'est une spécialité antillaise qui est archi bonne. Mon père, lui, a choisi le lambi, donc c'est un coquillage en fait, c'est un animal qui se trouve dans un coquillage qui est aussi super bon. Donc voilà, vraiment, on a super bien mangé. Et du coup, je vous laisse profiter de la musique et de l'ambiance. Oh,
Après avoir passé une bonne soirée au Tam Tam, on est parti au casino du Gosier pour tenter de devenir riche. Bon, sans grand succès, mais bon, c'était quand même marrant. On va voir si on va devenir millionnaire. Ah, non. Aujourd'hui, je vais à l'île et Carrette. Donc du coup, je rejoins mon père sur le port. Donc, on part en bateau. Donc là, aujourd'hui, on va en mer, direction Carrette, c'est ça, monsieur ouais. Le capitaine? Oui, il n'y a pas de monsieur dans la marine. C'est quoi? C'est capitaine. Excuse-nous. Hein. On ne dit pas dans l'armée de terre, on dit mon capitaine. Et dans la marine, on dit capitaine. Estime-toi déjà heureux que je dise capitaine. Ouais, hein. Estime-toi heureux d'être capitaine. Hi guys, on se retrouve pour une nouvelle aventure. Aujourd'hui, on va sur l'île des Carrettes. Donc, c'est une petite. C'est une petite île qui est en voie de disparition. Elle est vraiment au beau milieu de la mer. Elle était super belle avant. Et malheureusement, elle est en train de ratisser, mais elle reste quand même jolie. Donc voilà, je vais vous montrer ce que ça donne. Aujourd'hui, c'est moi qui pilote, parce que je suis une pilote. Ouais. Rhum de la Guadeloupe, très bon. Belle vue, rhum de Marie-Galante. Là on va passer pour des alcooliques là.